Bonjour monsieur René. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va, vous êtes chez nous aujourd'hui? Je veux faire comment? C'est la fin du mois. Oh, je n'y avais pas pensé. J'étais chez vous, mais je n'ai trouvé personne. Pourtant, j'ai laissé mon mari en sortant ce matin. Il est sûrement encore en train de dormir. Bref, vous lui direz que je suis passé. Ok, à la prochaine. Alors. Bonne journée, madame. Merci. Je dis, hein, tu commandais seulement la nourriture là au marché ou quoi? Depuis que tu es parti là? Je vois que tu feras le marché prochainement. Ça veut dire quoi faire le marché prochainement? Vous croyez qu'on ne connaît pas vos petites bêtises que vous faites là? Vous profitez du marché et puis vous venez raconter du n'importe quoi aux gens. En passant, j'ai croisé le bailleur tout à l'heure. Il m'a fait comprendre qu'il est venu te chercher. Tu étais avec le bailleur ou bien tu as croisé le bailleur? Mais Ndiasso, qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Ah bon? Je vois que tu es malade. Et puis, il voulait quoi? Qu'est-ce que le bailleur peut bien demander si ce n'est l'argent de son loyer? Mais il est malade. Il vient chez moi m'agresser pour l'argent du loyer. Tu as payé. Ah, donc tu es avec lui. Tu as payé. Tu es fort pour payer le loyer de tes bordettes, Dio. Ne me dis pas ça, hein. Toi, ne me dis pas ça. Je te rappelle ça. D'abord, ça ne va pas se passer comme ça. Même lui, là, il va me sentir. Ça ne va pas se passer comme ça. Bonjour, chef. Ah bon? Tu as le toupet et le courage de m'appeler chef. Comme ça, c'est toi qui passes le temps à agresser ma femme chaque fois qu'elle passe, c'est ça, non? Je ne l'ai pas agressée. C'est juste un bonjour quand elle passait. C'est juste un bonjour quand elle passait. Tu crois que ma femme est ton amie? Non, c'est juste les relations de bon voisinage. Relations de bon voisinage. Ndiasso. Relation de bon voisinage. Je comprends donc tout ce qu'on dit de toi ici au quartier, que c'est toi qui passes de femme en femme. Tu prends les épouses des gens pour faire d'elles ce que tu veux. Parce que tu crois que tu as de l'argent, c'est ça? Ouais mon frère, tu sois encore sadou. Qui est ton frère? Tu me vois comme ton frère? Tu crois que ma mère pouvait accoucher un lait type comme toi, ventu là? Tu m'insultes maintenant? Monsieur, je t'insulte pas. Je ne dis que la réalité. C'est la réalité des choses. Mais tu es laid, très laid même. Tu n'es qu'un laideron. Je vais perdre mon calme, Ndiasso. Si tu perds ton calme là, ça va faire quoi? Toi, si tu perds ton calme, ça va faire quoi? Ouais, mes frères, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes quand même les personnalités, ce n'est pas digne de vous. Personnalité, hein? Donc celui-ci, ce cancre-ci, c'est une personnalité, ça? Ndiasso, je vais oublier qu'on boit souvent le vin ensemble et t'écraser comme du pâté. Regarde-moi un chien vert. Tu bois avec qui? Tu as le niveau? Chef, respectez au moins votre tenue. Quelle tenue? Attends, vous êtes venu ici me donner la leçon de morale? Quelle tenue? Qui parmi vous là m'a acheté une tenue? C'est juste une prière. Ah bon, une prière? Je me calme pas parce que j'ai peur de quelqu'un. C'est parce que discuter avec vous là, c'est me rabaisser. Et j'ai pas besoin de me rabaisser devant les gnamagnons comme ça là. Hein? Et toi, on a un dossier ensemble, non? Tu te rappelles du dossier que j'avais fermé. Maintenant, je vais le réouvrir. Et je te rappelle, nous allons travailler dans ce dossier-là. Je te dis, tiens-toi tranquille. Non, 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 je te dis, je renouvelle le dossier. Monsieur Ndiasso, vous me voulez quoi encore? Calme-toi, mon frère. Nous sommes venus faire la paix. Quelle paix? Il est venu s'excuser. S'excuser de quoi? C'est sa maison. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Oublions nos problèmes. Je suis venu m'excuser. Mon frère, ce n'est pas de ta faute si ton père était riche et le nôtre pauvre. Ce n'est pas un crime si tu as hérité de cet immeuble. Je reconnais.
toute l'aide que tu m'as apportée quand j'avais des problèmes. Ne laissons pas le diable entrer au milieu de nous. Notre relation est plus forte que ça. Maintenant, qui d'entre vous peut me donner la formule exacte de la bière? Moi, monsieur. Oui, toi. Maïs, c'est la drogue. Faux. Charme, charme. Achifo. Sagé a pas dit que la formule de la bière, c'est le bonheur en liquide. Le bonheur en liquide.